Coucou les filles. Alors, je reviens vers vous pour un double haul. Enfin, je vais en faire qu'un, je pense. L'autre, je ferai dans une autre vidéo. Donc, comme j'avais dit sur Facebook, en tout cas, ou à mes copines, je suis allée à... Hop, je sais pas si vous allez voir. Primark, enfin. Tant qu'on attendait ça, mon sac est un peu solide. Ils sont pas très solides, mais bon. Donc, samedi dernier, j'ai été avec un groupe de youtubeuse sous l'invitation de mon ami Cœur Coco. Voilà, donc on s'est toutes donné rendez-vous sous une idée de Vivi Hibiscus au centre commercial au Paris Nord, ben, pour se voir, et puis pour aller enfin à Primark. Donc, on a commencé la queue vers 11h30, on a fait un peu moins de 50 minutes de queue, donc ça a avancé vite quand même, ça allait. Donc j'espère quand même que bon, ben, ça va pas être comme ça à chaque fois. Voilà. Enfin, moi, personnellement, la caisse, j'ai pas fait la queue. Je sais que d'autres copines sont passées avant, en fait. Mais bon. Donc, voilà. Donc, je vous montre un peu pêle-mêle ce que j'arrive à prendre la main. Hein. Donc, déjà, j'ai trouvé ceci. Désolée, c'est un peu froissé. J'ai déjà mis deux fois. Donc, un superbe t-shirt rose, comme j'adore, avec Mimi dessus. Donc, c'est plein de t-shirts Disney qui sont à 6 euros. Donc franchement voilà quoi, c'est super cher. Donc je vous en montrerai un autre tout à l'heure parce que j'en ai pris un autre, mais il est au fond du sac. Sinon j'ai pris un t-shirt pour mon copain, donc qui est aussi français, désolé, mais il est au fond du sac depuis que je l'ai acheté. Donc ça va, il leur passe. Donc c'est des t-shirts, il y en a plein, soit 2,50€. Donc ça va, je trouve sympa, donc voilà, kawaii dessus. Une petite carte d'Hawaï. J'ai pris aussi un espèce de short de bain, enfin bermuda plutôt, bleu avec de magnifiques flamants roses. Et je fais 8 euros. Donc pour mon copain aussi. Voilà. Ensuite, alors ça j'étais contente. Bon, par contre, les essais, je les ai fait dans les rayons quoi, parce que j'ai pas été voir, mais je pense qu'il y avait aussi de la queue pour essayer. Donc j'ai trouvé cette jolie petite robe blanche avec de la dentelle. Je vais vous montrer, c'est pas grand chose. Voilà. Elle arrive à peu près au genou, elle était aussi en noir et en bleu foncé. J'avais repéré la bleu foncé au départ, mais enfin je l'ai essayé, je n'ai pas. Et en blanc ça fait plus frais, plus printemps quoi. Donc j'ai dû l'avoir à 11 euros je crois. Ouais. C'est plus qu'un dans ma taille. Donc... Voilà, ensuite, bon ça c'était vers la fin en arrivant vers les caisses. Bon j'essaie de vous le décrire, si vous n'avez pas grand chose, c'est un pyjama. Hop, qui était à 6 euros je crois. Ouais, 6 euros. Donc bien sûr, quand j'ai vu ça, bon, il est super facile, pourtant il était accroché dans le truc. Mais... Il a vraiment ça, ce froisseur. Donc un trop beau cupcake, et puis voilà, couleur. Mon palo, il écrit Ever Cupcake. Le truc trop girly, quoi. Avec un short qui va avec, donc pour ce qui était, ça sera top. Un short avec des cupcakes. Walou, walou. Ensuite, le deuxième Disney que j'ai pris. Donc, Mister Bambi. Voilà. Donc j'ai rigolé parce qu'en fait j'ai ma copine Cœur Coco qui a déjà fait son haul et on a pas mal de goûts similaires, on a bien discuté. Et donc on a pris toutes les deux ce bandit là et un autre que je vais vous montrer après. En fait on était arrivé en même temps dans le magasin, mais bon, comme on s'est parti un peu partout, on n'a pas trop vu ce qu'ils achetaient les autres. Donc voilà le deuxième qu'on a pris toutes les deux, donc un t-shirt Bambi et Pampan à 7 euros aussi. Voilà. Donc, vu les prix Disney, on en profite. Alors, je me suis pris une espèce de tiroir comme ça. Celui-là, il est à 2,50€. Il y en avait des plus gros à 4€. Donc, il y avait Mini, Monster ici, il y avait Bob et Sully. Je voulais trop, enfin, je ne pouvais pas tous les prendre, donc je retournerai. Il y avait les princesses Disney. Donc, celui à 2€, il est quand même assez gros. Et j'ai pris une bougie Primark. Donc la petite à la vanille.
Parce qu'on avait des grosses à 4 euros. Et puis on a mis avec une espèce de truc là-bas. Donc voilà, en tout cas, bien pratique le espèce de tupperware. Hein. Voilà, donc il y a un dernier truc que j'ai pris, mais je vais pas vous montrer parce que c'est pas pour moi. Donc voilà, bah, écoutez les filles, j'ai mis des photos sur Facebook, de toute façon, que j'ai pris aussi des photos de certains articles dans le magasin pour notre copine qui n'est pas venue avec moi. Donc voilà, à part ça, je vais retourner avec ma copine Cathy. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas la queue. Enfin, voilà, on verra. Parce que, en fait, j'ai fait un tour, au bout d'un moment, j'étais à force de pétiner partout comme ça, on me fatigue pas mal. Et donc, je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai pas vu, en fait. Donc, j'accompagnerai sûrement mon ami Cathy pour voir ça. Donc, écoutez les filles, bye bye, gros bisous. Et puis, à la prochaine!